Le bricoleur veut-on le faire? Le bricoleur, oui, on veut. Et oui, c'est bien lui, c'est l'ami Bob. Avec toute sa bande, il est partout, prêt à creuser ou à réparer. Il répond présent, il s'appelle Bob. Le sorceleur peut-il bifler tous les nudistes? Oui, il peut. Avec son pénis, il va en remettre une couche. Il leur dit de fermer les yeux et d'ouvrir la bouche. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue sur Fantabob Games pour la suite du Source Bob. Oh, je le sais que vous voulez votre Source Bowl de céréales au petit matin. Ça fait toujours plaisir à moi que vous regardiez cet épisode le soir. Ça dépend si vous êtes québécois. Bonjour et bienvenue. Et nous sommes dans l'épisode 26, si je ne m'abuse. Je n'en sais absolument rien, chers amis. Ça ne fait absolument aucune importance. Et sur ce, la suite de l'histoire. On s'y plonge et hop. Alors, tu cherchais la sorcière avec laquelle Ciri s'est débrouillée? On sait, chers amis, et nous voici à nouveau en compagnie de Geralt des Riviers, le sorce... Chien! Le sorce Bob à l'heure, ici, dans le petit village de je ne sais absolument pas où je suis, de trou du cul perdu et paumé du monde. Bambi! Oh, vous imaginez pas ma déception, chers amis. Et comme ça? Ah, bleu! Ouais, j'en ai eu un! Je chasse à l'arbalète, moi, monsieur. Je suis fier de moi. En ligne droite, tac, 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 tac. Bob, pourquoi tu vas au courant au lieu d'appeler Babelette? Parce que, c'est en ligne droite, c'est juste à côté, c'est pas très dur. Et puis regarde, il y a quand même des grosses... Oula, ouais. Ouais, voilà, tu vois? Voilà, des grosses variations de terrain. Et du coup, je préfère y aller comme ça. Maintenant, c'est vrai que je... Mablette! Je peux l'appeler. Voilà, ça, c'est une bonne mablette. Allez, ya! Les brumelins adorent ce genre de caverne à la con. Ouais, t'es complètement gratuit. T'es complètement là, ma salope. Très bien. Tu veux jouer à ça? Est-ce qu'il me reste des rêves de dragon? Non, il m'en reste plus. Si, il m'en reste un. Bah ben, écoute, tant mieux. Salut ma mignonne. Où t'es, connard? Sors de là si t'es un homme. Naha! Oh Dieu qu'il est moche! Eww. C'est pas normal ça. Ha! Oula! Ah ah, messieurs dames. Ah ouais 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 ouais. Montrez-vous. Blablabla. Holy shit. Holy fucking shit. Heureux, chers amis, ce coup-ci, je ne me ferai pas baiser. Salut mignonne. Quen! Ici, je le garderai, le Quen. Il me semblait l'avoir lancé, mais... Ah! Où est-il? Ah! Allez, Qu'est-ce qu'il y a? Ouh, yeah! Aïe, 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 aïe. Quen! À ma gauche. Je te vois te déplacer dans la brume! Ouh yeah! Ha ha, esquive! Igni! Arc! Igni! Eh oui, tu brûles mon fumier! C'est cool, hein? On appelle ça des effets spéciaux! Oh! Bambi est mort! Oui, mon précieux! Excellent! Carabelle! Oh, et un trophée de Brumelin! C'est cool ça!
Oh ! Technique de John Marston. Excellent, bien ! Mais tombé. Nkakakakaka, bonsoir Geralt. Je te présente Brigitte. Bonsoir, nkakaka. Et Gisèle, nkakaka, enchantée. Ah oh, mon dieu. Nous serons tes compagnons ce soir pour kakakakaka, c'est du monstre, nkakaka. Ah, oh, misère. Bonjour, madame. Sale voleur qui pique mes crânes. Mes crânes à moi. Il a qu'à déterrer les siens. Et... la voilà. Bonjour. Madame, si vous êtes assez intelligente pour utiliser des outils, puis-je vous intéresser dans l'achat d'un vêtement? Un pagne pour commencer. Ah, c'est dégoûtant. Je me demande si je vais pas censurer ça. Aouh. Hey. 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 Hey! On se calme tout de suite! Prends ça! Grenade! Tout va bien! Double grenade! Qu'est-ce que tu dis ça, Gwen? Oui! Je suis dans ton dos! Je suis trop rapide! Il est trop fort! Ah blablabla, elle me fouette avec sa langue! Tout ceci est... Aïe! Tout ceci est tendancieux, madame! Je ne suis pas de ce bord-là! Un plan, une stratégie, Bob. Peut-être une stratégie. Aïe. Ah, raté. Eh ben, c'était répugnant. Pas mécontent d'en avoir terminé, hein. Bon. Toutes mes excuses, mais on va découper ta jolie tête. Au moins, ceux qui tomberont sur ton cadavre pourront imaginer que t'étais bonne. Voilà.